Les baleines. Ces mammifères marins les plus impressionnants qui existent encore au monde font aujourd'hui partie des espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l'UICN. C'est dans les années 2000 que les premières expéditions scientifiques ont été organisées au Bénin et ont mis en évidence et confirmé la présence des baleines proches des côtes béninoises. Ce programme a été soutenu par le comité néerlandais de l'UICN et appuyé par le Centre béninois pour le développement durable, le Centre océanographique, la Direction des pêches, l'Université nationale du Bénin et Nature Tropicale ONG. Ce mammifère marin, dont le poids peut atteindre 30 tonnes à l'âge adulte, visite le golfe du Bénin pour la reproduction, de même que plusieurs espèces de dauphins. La collaboration d'un expert international a été déterminante pour ses premières recherches au Bénin et dans la sous-région. Il y a les gens de la télévision qui vont là-bas. Vous avez vu, il y a des baleines ici. La grande question pour nous, comme étant scientifiques, ce sont quelles baleines? D'abord, on a identifié la baleine et bon, ce sont des baleines jupartes, baleines à bosse. Les mégaptères sont de grands migrateurs qui se déplacent entre les régions polaires où ils se nourrissent en été et les eaux du golfe du Bénin où ils se reproduisent en hiver. Elles y viennent pour donner naissance et apprendre à leur bébé les premières adaptations à la vie. Tu vois ça? Ce sanctuaire que constitue le golfe du Bénin est crucial pour la reproduction des baleines à bosse. Les eaux sont relativement calmes, avec une présence très peu importante de grands prédateurs de baleineaux. Mais des problèmes spécifiques liés aux écosystèmes marins et côtiers affectent gravement la vie de ces mammifères. Il s'agit entre autres des pollutions de toutes sortes, l'insécurité en mer et des trafics de tout genre. La chasse baleinière à l'échelle internationale, de même que les captures ces dernières années de certains mammifères marins par des pêcheurs locaux auxquels on peut associer les phénomènes des changements climatiques, menacent dangereusement ces espèces. Il n'y a pas possibilité de faire une sorte d'autopsie là-dessus pour... Nous, on va juste faire des prélèvements pour des études génétiques. Tout à l'heure au téléphone, je comprenais d'après vos propos qu'il fallait enfouir. Oui. De sorte que dans les 3 ou 4 mois, venions plus récupérer les squelettes. Oui. C'est à des fins d'études éventuelles. Voilà, voilà. Et il y a deux choses. C'est que ce ne sont pas des spécimens qu'on retrouve aussi facilement. Et ça veut dire que c'est une occasion exceptionnelle pour nous au Bénin. Et il faut avoir le trophée qui pourrait aider pour l'éducation. Demain, on peut dire que cette espèce, si ce n'était pas cité, ça existe chez nous. Personne ne peut le nier aujourd'hui. Hein? Alors que si on n'a jamais la photo, si on n'a jamais vu la chose, si on n'a pas le squelette, bon, on va dire ça existe, mais où sont les preuves? Un squelette comme ça peut être mis dans un musée ou dans un centre public. Ça peut servir pour les scientifiques, pour faire des études, ça peut servir pour vous. Et surtout pour l'éducation. La méconnaissance de cette ressource et l'insuffisance d'intérêt de la part de certaines autorités constituent des facteurs de menace pour la survie des espèces marines en général et les baleines en particulier dans notre sous-région. Nature Tropicale ONG a déjà de nombreuses expériences dans la mobilisation des parties prenantes à travers ses actions sur les espèces menacées que sont les tortues marines et le lamantin d'Afrique dans les zones humides côtières dans la sous-région. Nous avons
les tortues marines. C'est des animaux sans défense. Je suis bien proche de la côte, on les tue, on les mange. Mais la loi interdit de tuer les tortues. Elles permettent d'informer tout le public, voire d'influencer les politiques en matière de protection et de gestion durable des ressources naturelles dans notre pays. Nous sommes au regret de vous annoncer que cette année, que des lamantins ont été tués, surtout dans la zone des Aguéguées, si le maire n'est pas informé. Nous avons été informés de ça et ça nous a fait mal, parce que pendant plus de 10 ans, nous avons travaillé sur ça et ça avait cessé, mais ça a repris. Et je voudrais ici inviter tout le gouvernement à soutenir cette action, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont en Floride juste pour aller voir les lamantins. Nous en avons dans notre pays et il faudrait qu'on agisse. Mon département va vous soutenir. Merci. Dès notre retour de Rio, je veux que vous m'emmeniez là-bas et à Zivier. Et ces populations, je vais demander à mon ministère de mettre un fonds pour les accompagner, pour lutter contre la pauvreté. Merci et s'encourager à tous ces messieurs-là. Parce que voilà de quoi nous voulons aujourd'hui au Bénin. Et je vais m'engager personnellement. J'ai un agent des eaux et forêts là. Je vais saisir tout à l'heure votre directeur et c'est la greffe pour qu'il y ait vraiment une action concertée dans ce sens-là. Ces actions ont tout de même besoin d'être renforcées aussi bien au niveau local que sous-régional. Il est à noter que c'est pendant la même période que d'autres mammifères marins tels que les dauphins et des reptiles, à savoir les tortues marines, sont aussi signalés proches de cette route, toujours pour leur reproduction. De belles potentialités écotouristiques. Waouh, c'est magnifique! Elles sont là! De mi-août à mi-novembre, les baleines vous offrent des spectacles inoubliables proches des côtes du Bénin. Ne ratez pas le Festival des baleines. Voulez-vous voir ce spectacle? Contactez le Musée Natu Tropical ONG au téléphone 229 21 33 37 73. Email ntongmu@yahoo.com. Site web www.natutropical.org. Ne vous faites pas compter l'événement. Depuis la confirmation de la présence de ces espèces proches des côtes béninoises, Natu Tropical organise tous les ans, du mois d'août au mois de novembre, des expéditions en mer pour mieux faire connaître ces espèces et mieux les étudier. Notre souhait le plus ardent est que le whale watching se dynamise dans la sous-région et devienne une alternative à la chasse baleinière ou à la levée du moratoire au niveau mondial. L'objectif est de contribuer à la protection et à la valorisation des espèces marines migratrices menacées inscrites dans les différentes conventions et accords internationaux et régionaux signés et ou ratifiés par le Bénin et la plupart des pays de la sous-région. L'écotourisme représentant un instrument puissant de conservation de la nature, de même qu'un potentiel de développement économique important pour des régions isolées où il existe peu d'autres possibilités, l'observation des baleines et dauphins en mer côtière est une activité écotouristique et économique très importante pour la sous-région. Des baleines à peine à 1h30 de la côte, ça c'est vraiment génial. Et on a eu la chance de faire cette petite croisière qui était très agréable. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu voir des sauts de baleines. Comme dans les documentaires, exactement. Les nageoires qui passaient, les queues, on a vu une maman avec son baleineau. On s'est régalé, c'était formidable, il y a une bonne ambiance, c'est hyper sympa. C'est à continuer. Ça a été très fantastique.
J'ai vu les baleines, plein de baleines sont en train de sauter. J'ai vu la queue, la tête de baleine, ça m'a beaucoup aimé. On est allé voir les baleines en mer, on a pu les observer. Et voilà, je suis content d'avoir pu voir ça dans ma vie. Le Bénin a ainsi bien commencé avec beaucoup de succès afin de convaincre les gouvernements africains et le grand public de la nécessité de protéger les baleines et de générer des ressources financières par l'écotourisme ou le whale watching que de favoriser la chasse baleinière. Cette activité présente quelques contraintes majeures dont la disponibilité d'embarcations sécurisées, des guides professionnels et des scientifiques engagés et bien motivés. Se fondant sur les engagements régionaux et internationaux pris par le Bénin et les autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest en l'occurrence, ces espèces menacées ont besoin de l'attention de tous. Nos pays l'ont toujours démontré par leur vote pour la levée du moratoire sur la chasse baleinière à la Commission baleinière internationale. La collaboration des scientifiques de par le monde pour des échanges d'expériences et des appuis divers et techniques et matériels sont indispensables pour la poursuite des actions de conservation des baleines en Afrique. Nous comptons sur votre soutien pour la gestion durable des espèces migratrices en Afrique.